Bonjour, ici iPod Touch Chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Pod Control pour votre iPod Touch iPhone. Je veux que ce le fait moins 5.0 plus. Pod Control, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite sur Stadia et qui vous permet dans le fond d'avoir des petits menus comme ça sur le springboard de votre appareil. Dans le fond, tu en as trois. Ça contrôle ta musique. Fait que tu peux reculer, faire pause ou play sur ta musique ou faire next. Fait que ça rajoute trois icônes sur le springboard de votre appareil comme ceci pour faire play, next ou en arrière. Fait qu'il n'est pas juste compatible iOS 5, il est aussi compatible iOS 4. Puis c'est tout ce qu'a fait l'application. Fait que je vais vous le montrer. Vous faites installer, confirmer. Une fois qu'il est installé, il y aura des icônes sur votre appareil, bien sûr, qui sont ceux-ci. Alors, il n'y aura pas de section des réglages, puisque c'est un tweak. Lorsqu'on l'installe, ça s'active. Si on ne les veut plus, on doit les enlever. Alors, si je fais play, la musique commence à jouer. Fait qu'on peut voir que dans mon application musique, la musique commence à jouer. Alors, si je fais play, pause. Si je refais play puis next. Si je refais pause puis je retourne en arrière, on va revenir à l'autre. Et voilà. Fait que c'est pas plus compliqué pour l'application Pod Control pour votre iPod Touch iPhone. Jailbreakers le fait moins 5.0 plus. Alors, pour l'application Pod Control, je donnerai un total de 1 étoile. Alors, pourquoi une étoile? Parce que l'application Pod Control, personnellement, plutôt le tweak, est pas très utile parce qu'on a plein d'autres applications qui permettent d'ajouter ce genre d'icône, mais avec plus d'options, puis en plus, l'icône devient un pause ou un play. Fait que l'icône, elle change, mais celle-là, c'est juste play, next, et recul, puis c'est tout. Fait que tandis que t'en as d'autres, c'est ça l'avance, ça le recule, puis tu sais, encore là, je trouve pas ça très utile, puisque juste dans le multitâche, en faisant ça, t'as accès déjà à ces petites affaires-là. Ça va te sauver quoi? 2 secondes si t'es sur ton Springboard. Anyway, c'est mon avis. Vous, votre avis, c'est quoi sur l'application Pod Control, juste en mettant des notes en étoiles dans les commentaires ci-dessous, sur YouTube seulement, bien sûr. Et par la suite, la note publique va être calculée automatiquement via un script PHP dans la description de la vidéo. Alors, c'était tout pour l'application Pod Control pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0 et le 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchsapo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Zappo, merci.